Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit, s'il vous plaît. Moi, c'est Nicolas. Ma vie, elle est chouette. Et je veux surtout pas qu'elle change. Redresse, redresse. Eux, c'est papa et maman. Redresse. Redresse, 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 redresse. Arrête avec tes redresses. Tu me fais perdre tous mes moyens. Ils se disputent souvent. Non, et jamais. D'accord. Et avec le patron de papa, c'est pareil. C'est un propos de mon augmentation. Et non, on verra ça plus tard. Et ça, maman, ça l'énerve. Il t'exploite et toi, tu te laisses faire. Très bien. Bah, je vais tout envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh, chouette. Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je veux voir le petit frère. C'est grand comment, bébé? Comme ça, à peu près. Bah, t'as intérêt à mettre tes joies à ça. T'es foutu, je te dis. Qui peut me raconter l'histoire du petit pousset? Oui, Agnan. Il était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain? Faut que tu faillotes. Comme ça, elle trouvera que t'es très mignon et elle pourra plus t'abandonner. Ouais. Alors j'ai tout fait pour plaire à maman. Elle est très belle, ta fleur, mon chéri. Mais ça n'a pas suffi. Et demain, on ira se promener dans la forêt. Et là, les bêtises ont vraiment commencé. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Ouvre! Bon, ouvre, il n'énerve pas cette portière! Ouvre cette portière, on oublie ça! Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai bien fait un par deux! Assis! Debout! Assis!